Et coucou, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play. Ah, j'ai appuyé sur une touche, et ouais, ok. On s'appelle sur donc Unmetal, la parodie donc de Metal Gear Solid sur PC. Oh, du bambou, des roseaux. Alors là, on va tout prendre. Hein. Je suppose qu'on va en avoir besoin pour crafter des choses. Donc je vais tout ramasser. Allez, on est où là? Hey! Please, oh please, don't kill me. C'est quoi la vie? Hold on, you're not one of those bastards. Of course not. I'm a very nice guy. By the way, what are you doing? Those bastards won't stop building fences everywhere. They think the jungle is theirs, so I cut them to fuck with them. Do you have, by any chance, a van to get out of here? I had one, but they took it away. The old man told me a few stories about that place. It was isolated, with no roads or towns nearby. And most importantly, he told me about what I might encounter up ahead. Okay. Okay, donc il est en train de couper des clôtures, normal. Alors, il y a des caméras. There, hidden in the middle of the jungle, stood a compound riddled with cameras. The level of security was sky high, like the mansion of a cartel boss, and I could see why. Because the center of this fortress was the Omega building, the heart of Operation Jericho. The old man told me that he saw some helicopters landing on top of the building. If I stole one of them, that would be my ticket out of there. One thing was for sure. If I was detected by a camera and the alarm triggered, they would put the Omega building in lockdown and I could kiss those helicopters goodbye. But none of that matters because even though I was already showing signs of exhaustion, I slid in like a shadow and managed to go undetected. Yeah. The door was locked and chained. There was nobody outside. So finding the key for the lock wasn't an option. I could cut the chain with a bolt cutter, but where would I find one? On va voir le papier là-bas. Il va bien nous prêter sa pince. Hello, friend. Give me that bolt cutter. But it's mine. Oh. Now it's mine. Oh, il aurait demandé lui. Wait. Are you saying that you stole from some defenseless old man? You're a special sort of monster. What? Me? No. I paid him. When I said it was practically highway robbery, I meant... Hello, friend. Hello, Gramps. I want to buy that bolt cutter. But it's mine. How much are you willing to pay? Here are some coins. It's little money, pal. Oh, look! I also have $10 million. Okay. 10 millions de dollars. Thank you, Gramps. You're welcome, kid. Donc ça servait à ça, l'argent. L'argent a servi à ça, ok. Bon, pourquoi pas. Allez, on coupe ça. DVC, ça fait plaisir. Hop, sauvegarde. Allez, voyons voir ce qui se cache dans le complexe Omega. On va à droite. On the east side, the cameras were accompanied by guards. I needed to pass without being spotted by Mike or the camera. So, I had to get rid of Mike and leave no witnesses. But it was more complicated than that. If the camera saw Mike knocked out, lying on the ground, the alarm would be triggered. Seems you just had to move him away from the view of the camera. Exactly. But if Mike wasn't there as the camera viewed his post, the alarm would still be triggered. Whatever I did, the camera had to see Mike standing at his post. Hmm. Quite the scenario. Unless it's an episode of MacGyver, it would be impossible to proceed. Hold on. If you're telling me this, that means you made it through, correct? Well, yes, I managed to fool the camera eventually. How did you manage that? If the camera needed to see Mike, I could just make a copy of him. A clone?
Yes, the copy was so perfect, Mike's mother wouldn't know the difference. I made the swap when the camera wasn't looking. Réaliser un clone? Me dis pas que c'est avec le bambou. Le roseau et je mets quoi? Les lunettes? Alors là, je vois pas comment réaliser une clone maintenant. Il doit manquer un truc là, non? Non, il me manque quelque chose. On va avancer. Il doit me manquer un élément pour faire des... Est-ce que c'est de la corde? Ça, attends. Comment ils appellent ça? Roseau attaché. Ok, il doit encore manquer des trucs. Alors, soit j'essaie de continuer à droite, c'est ce que je vais faire. On va essayer de continuer à droite. Ah, mais là, je peux pas passer. Sauf si je peux aller par en bas. Ok. Et ok. De la pure infiltration, comme j'aime. Hop là. On va voir ce qui se cache là-dedans. Uniforme. Clone de garde. Ah ben voilà. J'ai cloné Mike. On a un clone. On a un clone de Mike. Parfait. Attends. Hop. Ouh. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Et là on s'échappe vers le bas. Ok. On a un clone de Mike. On va sauvegarder. Parce qu'on a pas mal avancé là. Après j'ai toujours les pots au cas où. Hein, je dois faire une sauvegarde rapide. Pour l'instant il n'y a pas forcément besoin. Vite! Le clone est parfait. Le clone est absolument parfait. Je vais récupérer la médaille là-haut. Hop là. Un midi, Dieu vous surveille. Il y a un passage que j'ai pas encore fait à gauche, mais on verra ça plus tard. Là, je peux plus faire de clones, il me manque des éléments, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. S'il y a besoin, il faudra revenir et aller à gauche. Et là, il y a besoin de refaire un clone. J'ai pas de corde, il me faut une corde. Ok, donc il faut revenir. Il faut revenir. Pas mal cette phase. J'aime bien. Il est plein de bonnes idées ce jeu, vraiment. Il est vraiment plein de bonnes idées. Je vais re-sauvegarder vu que j'ai réussi à mon truc du clone, on sait jamais ce qui va se passer à gauche. J'avais jamais entendu parler du jeu avant de l'essayer, donc ouais. Parfait. Voilà. Ça bouge pas donc je pourrais pas passer. Ok. Je veux juste apprendre le contenu de la caisse.
Alors, va attendre que ça bouge. On y go. Mais... Ah, mais non, j'ai raté du coup l'XP. Je vais relancer la partie. J'ai envie de prendre l'XP là quand même. J'ai envie de récupérer l'XP. Je sais pas, j'ai appuyé sur B mais... Ça l'a pas fait, je sais pas pourquoi. C'est vite fait. Voilà. On a notre deuxième clone, on y retourne. Parce que là, une seule étoile et je pense que je passe niveau 8, donc ça serait pas mal. De passer niveau 8. Voir ce que le jeu nous propose comme amélioration. Je sais pas si je peux y aller là en fait. Normalement je peux y aller mais... Mais j'hésite. Donc je vais pas y aller. Allez, sans se tromper, ce coup-ci, ça serait pas mal. Voilà, level up. Alors, armement lourd, 25% de dégâts supplémentaires avec les grenades. Lente régénération lors d'utilisation de bandages. Grenades et roquettes. Les bandages, pour l'instant, vraiment, j'utilise pas. Donc, c'est vrai que j'utilise pas du tout les bandages, en fait. Je me soigne directement. Sans passer par l'étape bandage. Là, on va sûrement récupérer quelque chose pour pouvoir passer. Là, on va à gauche. Il y a des genres de grenades. Une grenade électromagnétique. Ok, grenade électromagnétique. Certainement pour couper les caméras. Ça serait logique. Parce que le passage qu'on a vu tout à l'heure, en fait, le seul moyen de passer, c'était forcément de couper la caméra. Il n'y avait aucun autre moyen de passer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Notre arsenal s'enrichit. On va re-sauvegarder, du coup. Et là, pour passer, on est obligé de grenader. Ah! Par contre, comment ça marche, je sais pas. Oh, c'est court, hein? Oh là là! Oh, c'est court! Par contre, faut viser. Oh là, c'est compliqué. Ah ouais, faut vraiment que le rond il soit dedans, quoi. Là. Vite. Faut là en fait. C'est spécial. There it was, the entrance to the Omega building. That would be the last place I'd visit on my tour d'escape. Franchir la porte sans éveiller les soupçons. Loin. Ah, ça va être compliqué de d'avoir la caméra là.
Ça va être compliqué là, parce que là je suis trop loin. Ah, faut que je fasse celle de droite. Celle-là. Ok. C'était ma dernière grenade. Who is this? Mike. Who do you think I am? I'm Mike. Open up. Hold on while we check. But wait, you're not Mike. Quoi? Didn't you say that the alarm never sounded? You're contradicting yourself. Sergeant, execute this liar. Yes, sir. Au secours. C'était pas Mike. Bon, c'est pas Mike. Faut pas dire Mike. Faut dire peut-être pizza. On va dire pizza, allez. Waouh, tranquille. Attends, non, je vais pas charger parce que ça va me mettre au bout de la galaxie. Didn't you say that the alarm never sounded? Là, je vais comme ça. Ok, on va dire pizza. Who is this? Pizza. I have a pizza here for Mike. That's me, but I didn't order one. Fuck. The pizzeria screwed up again. They must have repeated the last order. My god, they suck at managing orders. And this is so far away. Are you sure you don't want it? It's just out of the oven. Hold on. Show me the pizza. Show it to the camera. Well, I think I left it on my motorcycle. My apologies. I'll be back with the pizza in a moment. You won't leave alive, imposter! Oh, secours! C'était pas la pizza, c'est pipi. Didn't you say that the alarm never... C'est pipi, c'est pas pizza. Oh non, mais sérieusement. Ce jeu, quoi. Oh! Il s'est déplacé trop tôt. Didn't you say that the alarm never... Comment il m'exécute d'un coup? Le moindre mensonge, exécute. Ah, exécutez-le. Donc c'est pipi. Hello, good evening. Look, my son needs to pee. And he really needs to go to the bathroom. Could you let me in, please? I'm sorry, we can't let children inside. But he's about to pee himself. It'll be everywhere. Walls, doors, ceilings. There's a toilet just after you enter the compound. There he'll be able to pee and save his game. Quoi? Tu peux pas me laisser rentrer? Mais attends, il me laisse pas rentrer là? Je fais quoi moi? Non, c'était pas ça? Ah oui, ben d'accord. Who is this? Mais j'aurais dit pipi. Hello, good evening. Look, my son needs to pee. And he really needs to go to the bathroom. Could you let me in, please? I'm sorry, we can't let children inside. But he's about to pee himself. Je comprends pas là, c'est aucun des trois. Doors, ceilings. There's a toilet just after you enter the compound. There he'll be able to pee and save his game. Je comprends pas. C'est ni l'un ni l'autre. Y a rien qui marche. Là, je suis bloqué là. Je vais pas pouvoir m'échapper, c'est impossible. Didn't you say that the alarm never sounded? Alors, est-ce qu'il faut avoir une fake pizza? Ce qui est possible. Mais là, je suis bloqué, je peux plus revenir là. Je peux plus revenir. Là, je suis complètement bloqué là. Parce que là, je pourrais pas désactiver cette caméra. Ouais, ça va être un problème. Sauf s'il faut aller casser les caisses à droite là-bas. C'est que de la grenade.
Je suis bloqué là. C'est bizarre. Who is this? Mike, ça marche pas. Pipi, ça marche pas. Pizza, ça marche pas. Mais c'est pas possible. Hello. Good evening. C'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire? Là, je peux plus m'échapper. Le problème, c'est que là, je peux plus m'échapper. Who is this? Je vais dire Mike. Who do you think I am? I'm Mike. Open up. Hold on while we check. But wait, you're not Mike. Non. Alors là, franchement, je vois pas ce que je peux faire. Franchir la porte sans éveiller les soupçons. Comment je suis censé faire? Là, je peux plus m'échapper. Mais les lunettes? Je vois pas à quoi elles servent, ces lunettes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces écrans là? Accès. Je vais mettre tes lunettes, peut-être c'est ça? Mais là je peux pas passer, c'est synchro les trucs. Faut me laisser la place. Voilà. Attends. Non, attends. On va remettre pipi parce qu'on sait que ça sert à rien. Mets tes lunettes, peut-être ça va marcher. Je veux dire Mike. Who do you think I am? I'm Mike. Open up. Hold on while we check. But wait. You're not Mike. Ça va marcher. Donc je vois pas à quoi sert ces lunettes. Never... Oula, là c'est compliqué. Là. Faut comprendre ce que le développeur a voulu faire dans son jeu. Et dans les jeux indé, c'est souvent le truc le plus difficile. Donc là c'est par où on est venu. Là c'est l'écran qui est à droite. Mais ici c'est quoi l'écran qui est à droite là? Il y a un passage à droite? Attends, il y a un passage à droite apparemment. Ah, mais il y a un passage à droite! Ah, il y a un passage à droite. J'avais pas vu. Il y a un passage à droite. Ah ouais, mais là je peux pas. Il y a un passage à droite, c'est à ça que servent les jumelles. À repérer un peu les endroits où on pourra passer. Faut aller à droite. Je ramasse ça, vite, vite. Ah, oh, mince. J'étais trop lent. Il y a un passage à droite. On recommence. On recommence et c'est reparti. Il y a un passage à droite, je pense, derrière la caisse à droite, là. Là, je pense qu'il y a un passage, là, non? Là? Non? Pas du tout. Un extincteur? Didn't you say that the alarm never sounded? Wow, je comprends plus rien à ce jeu là. Je peux casser les extincteurs. On va essayer parce que là. Il y a un extincteur, à quoi ça sert?
Et en fait, il n'y a pas de passage à droite. Hein. Attends, là, ça me dit que... Ah, mais faut passer par en bas. Ah, faut passer... Ah oui, oui, il y a une route à droite, mais c'est pas par là qu'on passe. Ok. Donc là, j'ai un extincteur. Est-ce que ça va me permettre de passer? Pizza, pipi. Hello, good evening. Il n'a pas voulu. L'extincteur, à quoi ça peut me servir, ce truc-là? Je pense pas qu'on puisse le combiner avec quoi que ce soit. Premier gros blocage, là. Si je dis pizza, j'aurais dit pizza. Je zappe, hein. Ouais, je zappe parce que ça sert à rien. Didn't you say that the alarm never sounded? Bon, 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 bon. Ben c'est pas par là, mais attends. On est d'accord que je peux pas revenir en arrière. Je peux pas revenir en arrière. Non, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il faudrait que je désactive les caméras, mais là, je peux pas. Vu ma position, je peux pas. Alors là, franchement, ça m'étonne. Ah, mais non! Didn't you say that the alarm never... Bon, je sens que le blocage va durer un petit moment. Sauf s'il y a quelque chose à gauche, là. Là, dans la poubelle. Une pizza abandonnée. Oh! Sérieusement, c'était ça? Il y a une pizza? Oh! C'était ça, il y a une pizza. Incroyable. Il y avait une pizza dans la poubelle, faut le deviner. Aïe aïe aïe, quelle ingénuité. Voilà, là ça va marcher. Pizza. I have a pizza here for Mike. That's me, but I didn't order one. Fuck. The pizzeria screwed up again. They must have repeated the last order. My God, they suck at managing orders. And this is so far away. Are you sure you don't want it? It's just out of the oven. Hold on. Show me the pizza. Here it is. Yeah, I see it. What kind of pizza is it? Oh no! Rocket. It's a mushroom and arugula pizza. What's arugula? It's an Italian herb with intense flavor. Fuck. Is that the kind of pizza that looks like it has grass on it? Well, yeah, it's green. Do I look like a sheep? Besides, isn't this a repeated order? Why is this a different pizza? Dunno. Maybe it's for another Mike? Hold on. You're not the same pizza guy. Fuck, you're an imposter. Ah non. J'ai tenté Rocket, mais ça a pas marché. Didn't you say that the alarm... Ce jeu, il est insupportable. Là, vraiment, là, il commence à être insupportable, le jeu. On est en train d'enchaîner des textes et des dialogues pour espérer trouver le bon. Et là, ça devient dur. Long et dur. Surtout là, faut attendre que les deux soient synchro. Ça, le jeu est plutôt bien fait là-dessus. Il arrive à les synchroniser. Là, normalement, c'est synchro. Allez, on recommence. Who is this? Pizza. I carefully studied that pizza box, examining every detail, every clue, every molecule. I deduced that it was used by someone else to smuggle something into the Omega building. Qu'est-ce qu'il raconte? Pizza? Exactly. A pepperoni pizza to be precise. Mais I carefully studied that pizza. Me montre la pizza au monsieur, non? J'y vais. I have a pizza here for pepperoni. Ah ben c'est pepperoni, il donne la réponse en fait. Pepperoni pizza. Kind I like. Are you sure it's fresh? I don't see any steam coming out of the box.
That's because they covered the box holes. So the pizza doesn't cool along the way. Do you take me for an idiot? That pizza is cold, asshole. Who are you calling asshole, asshole? Come out here and say that to my face. Fuck, you're not the pizza guy. You're Fox. Shit! Mais c'est pas possible. Didn't you say that the alarm attends. Never... Attends, y a aucun moyen de réussir ou comment ça se passe? Il s'embrouille avec tout le monde lui aussi, tu veux que je fasse quoi moi? Il s'embrouille pour une pizza? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi, je vais pas ramasser les trucs là-bas, on va pas perdre de temps, on va essayer d'avancer le plus vite possible. Oh, ça devait être compliqué de lire l'histoire là. Je vois pas comment passer sans me faire repérer. Bon, c'est pepperoni, on le sait. Sauf si je change et je dis que c'est pas pepperoni. Je dis fromage. It's a four cheese pizza. You've got to be joking. I'm lactose intolerant. Besides, isn't this a repeated order? Why is this a different pizza? Dunno. Maybe it's for another mic? Hold on. You're not the same pizza guy. C'est pas ça, donc. Ah, mais c'est pas possible. C'est un truc de fou. Didn't you say that the alarm never sound... c'est un truc de fou. Je vois pas, là. Attends. Je vais faire un truc, là. I carefully studied that pizza box, examining every detail, every clue. Every molecule. I deduced that it was used by someone else to smuggle something into the Omega building. A pizza? Exactly. A pepperoni pizza, to be precise. Bon, on va réessayer, mais là, si ça marche pas, il n'y a pas de raison que ça marche maintenant. Je vois pas trop ce que je peux faire de plus, vraiment, là. Là, je sais pas quoi faire de plus. Alors, une pizza. I have a pizza here. Pepperoni. It's a pepperoni pizza. Great. The kind I like. Are you sure it's fresh? I don't see any steam coming out of the box. That's because they covered the box holes. So... D'accord, donc il y a un truc à faire avec ça. Mais quoi, je sais pas. Didn't you say that the alarm never set? Il faut la chauffer. Il faut de la vapeur qui sort de la pizza. Comment, je sais pas trop. Il faut qu'il y ait de la vapeur qui en sorte. Alors là... Mystère, attends, est-ce que je peux... J'essaye au hasard, hein. Je vois pas comment faire sortir de la vapeur de la pizza. Sauf s'il faut aller choper l'extincteur là-bas. Ah, peut-être extincteur. Ouais, du coup ça complique un peu l'histoire, mais... Mais peut-être qu'il faut aller choper l'extincteur. Et combiné avec la pizza. On va voir. Oh, c'est ça. C'était ça. Incroyable. Pizza. I have a pizza here. Ils ont changé. Donc il est pas margarita alors. It's a margarita pizza. Margarita? It has tomato, mozzarella and oregano. Don't fuck with me. That's what all pizzas have. You brought me a pizza with nothing else on it? Do I look like a dumbass or what? Besides, isn't this a repeated order? Why is this a different pizza? C'est pas possible. J'aurais dû analyser la pizza. Ils ont changé les pizzas, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ce jeu est une grosse blague. C'est un gros troll, ce jeu. Ce jeu, il te troll de A à Z tout le temps. Le jeu veut pas que tu avances. Et ces caméras là qui bougent chacune dans son sens.
Non mais le jeu il veut pas que j'avance. Un troll international. En fait il faut que je lise ce que ça va donner. Et là? Attends. Non. Là. I was so hungry that I ate the pepperoni bits left over on the cardboard. But as I opened the box, the steam from within disappeared. Ah. Alors, boîte à pizza fumante, vide, il y a de la fumée qui émane de l'intérieur. Du coup, ça me dit pas ce que c'est, mais... c'est pas possible. Bon, pizza. I have a pizza here for Mike. That's me. Et du coup, pepperoni. Ah ben, c'est revenu pepperoni. It's a pepperoni pizza. Great. The kind I like. Et pourquoi tout à l'heure ça y était pas? Fallait la manger. Oh, fallait la manger pour plus. Oh, c'est incroyable. Stage complète. Bah, ben, ça aurait été long parce que j'ai galéré. Oh là là, partie 9, le cœur de Jéricho. Ça, c'est au prochain épisode, les amis. On va laisser l'intro comme d'habitude. As I crossed the door, I entered into the Omega building. On se retrouvera au prochain épisode. The heart of Operation Jericho. It was a cold, dark, industrial place with containers and barrels everywhere. On my right, there was the control room where they monitored the outer cameras. And, of course, the asshole that controlled them. The guy I tricked with the pizza, who was coming over to get it. Reality was going to hit him in the face. Give me the fucking pizza and get out. Of course. Here you are, friend. I'm not your friend, buddy. What the fuck? It doesn't weigh shit. Son of a bitch. You bake these thinner by the hour. It's empty. Where the hell is my pizza? Look at what's on the box. What? Where? Wow. I was inside the Omega building. I just had to reach the rooftop and pray that I'd find a helicopter. Mais ok les amis, on se retrouve au prochain épisode.